fait là, je ne me souviens plus très bien. J'ai quitté ma maison hier au soir, pourquoi je ne le sais pas. Oh, il me semblait d'avoir vu des tas de gens qui marchaient autour de moi. Et je me retrouve seul, seul, sur cette immense plage de sable. J'entends le bruit des vagues, mais la mer est immobile. D'ailleurs, rien ne bouge autour de moi. Malgré un coup de vent, de temps en temps, comme si une porte s'ouvrait derrière moi. Le soleil me fait mal aux yeux. Il est là juste au-dessus de moi, suspendu à je ne sais quoi. Les gouttes tombent de mon visage, envahissent le sable et disparaissent comme sur un rond de bière trop sale. Devant moi, la portée de main s'est échouée une bouteille. Peut-être un message de quelqu'un perdu comme moi. Que d'efforts pour la saisir avec cette main qui tremble, mais la bouteille est vide, juste un relon d'alcool qui monte au corps. Autour de moi, tout est calme. Soudain, le bruit de pas, la démarche d'une femme. Je lève les yeux sans espoir, je la vois sortir d'un drôle de brouillard. Il me semble la voir déjà vue quelque part. Ses lèvres bougent lentement, mais ses mots je ne comprends. Sa main se pose sur mon épaule et me secoue. Allons, monsieur, c'est là, il faut partir. Le bistrot va fermer, les flics vont venir.